messieurs, le Big Bang, c'est une grosse explosion magique. La création du monde, c'est magique. Voilà, c'est magique. Au début, il n'y avait rien, enfin presque rien. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Pas d'eau, pas d'air, ni de soleil, ni de martiens. Personne pour voir la vie en rose. Et il faisait tout noir, c'était vraiment pas gai. Et ça ne sentait pas bon. Il n'y avait pas internet ni la télé. De frites et de sandwich au jambon. Quand on ouvrait la fenêtre, on ne voyait rien, ni d'un côté ni de l'autre. Le seul métier qui sortirait bien, c'était celui de cosmonaute. Pour les autres, c'était pas la peine de se réveiller, vu qu'il n'y avait rien à faire. Et de toute façon, pour aller travailler, leur aurait fallu des volontaires. Et c'est alors que d'un trou noir est sorti un noble vieillard. Il tenait un bâton en bambou avec lequel il a frappé un coup à pied. Ça ne change à rien, enfin presque rien, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Un ver de terre, de virus, un romain, les fêtes étaient plutôt roses. Quand on venait le soir, c'était vraiment pas gai de rester tout seul à la maison. Il n'y avait pas internet ni la télé, de frites et de saucisses. Quand on jouait au foot, il n'y avait pas de gardien. D'un côté des lots, pas de copines ni de copains, sauf si on compte des argonautes. Du coup, c'était pas la peine de se réveiller, vu qu'il n'y avait rien à faire. Et puisqu'on n'était pas nés, il n'y avait jamais d'anniversaire. Et c'est alors que de quelque part est ressorti le noble vieillard. Il tenait un marteau et un clou sur lequel il a frappé, il a frappé, il a frappé, il a frappé trois coups. Un certain nombre de coups. Ça c'était juste un entraînement. Maintenant il va mettre des gens dedans. Quoi? Alors, bon, d'accord, s'il vous plaît. Alors, tu veux des gens dedans? Je mets quoi ça? Attention, François avec moi. Vas-y, François. Hey, oh!
camembert. Je suis trompé. Non, ça va, dis donc. J'ai fait des tours dans une langue qui n'est pas la mienne, c'est difficile. Alors, attention. Concentration. Et hop, bim, hop. Pas bien non plus. Ok, d'accord. Ok, ok. C'est la partie la moins magique du spectacle. Oui, mais on fait ce qu'on peut. Je dis, pour le... Escroc. Ceux qui veulent déjà partir. Comme nous, par exemple. Restez avec nous, c'est pas fini. Attention, attention. Et hop. Hé, serpent vert. Un serpent vert, c'est bien un serpent vert. Non. Des gens, vous voulez vraiment des gens? Oui. Vous voulez des gens? Oui. Il a travaillé 15 ans au Guignol du Luxembourg. Faut crier, sinon il bouge pas. Le plus dur, c'est sur celui qui a un chuchu sur ses épaules. Ouais. C'est lui qui a tout dur. Attention! François! Et hop! Voilà, grand-père!